Hi, and welcome to episode 5 of What's in My Bag. The weather in Paris has been terrible these days, alternating between rain, grey, and a bit of sunshine. When it's like this, I'm still happy to have one thing I can rely on, my bag. I've been really into big bags lately, not the kind that have no pockets and you throw your whole life into them, but the more utilitarian ones with pockets and zips that have a cool shape and are also stylish and practical. Just big enough to fit a tote bag for a trip to the grocery store or an unplanned shopping trip. If I had to describe my dream bag, it would be versatility, fashionable 24/7 from work to weekend. Je m'appelle Marius et je porte un sac Pierre Chupin en friperie à genre 2,50€, 3€ je crois, dans le Cher, de la campagne, milieu de la France, diagonale du vide. Ah, c'était un achat prévu ? Non. Bah 2-3 euros. On dirait pas, mais il est vraiment huge, genre. On rentre plein de trucs. Oui. Il est immense, genre je rentre une bouteille de vin facile dans son problème. Genre tout rentre, mais c'est impressionnant, genre. T'en as d'autres comme ça chez toi ? J'ai que des sacs Bordeaux. Je porte que des sacs Bordeaux. Histoire de porter de la couleur. Parce que sinon, à part le jean et le du noir, je porte pas beaucoup de couleurs. Donc j'ai que des sacs Bordeaux. J'en ai un que j'ai pas acheté en friperie, le Vivienne Westwood, celui que j'ai acheté. Mais j'y travaille, donc ça aide un peu. Après, le reste, c'est tout du seconde main. En fait, j'en ai des tout petits, des très gros. Mm-hmm. J'ai un peu toutes les tailles. Enfin, vraiment, j'ai des trucs. J'en avoir une quinzaine, je pense. Dans mon sac, j'ai que des trucs qui me servent tous les jours. Mais mes clés, elles sont horribles. Ah, t'as plein d'accès, c'est quoi tout ça ? Un décapsuleur. Oui, ça c'est pratique. On sent l'apéritif là, c'est ça. Ça c'est mon passé de scout. Ça, c'est mes grands-parents qui me l'avaient ramené de la Guadeloupe. Le but c'est qu'on voit pas les clés à la fin. Comme ça c'est pas compliqué à chercher, je mets juste ma main. Ouais. J'écoute ce qui fait du bruit, je trouve. Après j'ai une paire de lunettes de soleil. Juste pour like. Elles viennent d'où ? Everyday. Genre une boutique à la grande mode. Ah toi t'aimes bien acheter des trucs en dehors de Paris quoi. Oui, de base je viens pas de Paris mais... Ah, tu viens d'où ? Un peu partout. Non bah du Cher et de l'Ardèche, mais après j'habite à Paris, enfin... Oui, tu travailles quoi. C'est ça. Après j'ai mes tickets restaurant, enfin ce qu'il en reste. Ah c'est tu l'as encore en papier, tu l'as pas en matérialisé. Oui j'ai en papier parce que je suis en stagiaire. Comme je prends le RERB, j'ai un gel. Oui. Pur essentiel. Je vais acheter le premier que j'ai dû voir dans une pharmacie. J'ai mon porte-monnaie, c'est un pollen. Vraiment, il y a plein de places aussi, c'est pareil genre. Ma CE et un goût. Fraise. Basic beach moment. J'ai des AirPods et des pas AirPods. C'est juste si j'ai plus de batterie dans mes AirPods, j'ai celle-là au cas où. Ah, c'est celle de secours. C'est ça. Le problématique moment, j'ai mon couteau. Mais il est un peu fancy donc c'est pas grave. Tu l'as acheté où ? La gueule. Je sais pas comment ça se dit. Et après. Ah, c'est quoi ça ? C'est chou ! C'est des feuilles. Mais non ! Qui viennent d'Amsterdam. Ah, et mon passe Navigo. Oui. Tout simple, Custo. Ok. Et du coup, t'as des poches à l'intérieur ou pas dans ton sac ? Il y en a une pour mettre le passe Navigo. Ah oui, trouver plus rapidement. Ouais. Et les choses que t'as dans ton sac aujourd'hui, tu les as dans tes autres sacs ? Juste, je prends mon sac quand je change de sac et je fais genre. Je l'inverse, je le renverse dans l'autre. Et y a pas un truc que t'as pas aujourd'hui et que t'as tout le temps avec toi ? Si, mais des capotes. Mais juste pour être sûr à tout moment, j'en ai toujours. Et en ce moment, un sac dans ta wishlist ? Le jacket Gucci en Bordeaux. Au moins, c'est pas compliqué pour t'offrir un sac. C'est ça, Bordeaux. Voilà. Il suffit un sac Bordeaux, n'importe lequel. My name is Clara. I'm from Barcelona. This bag is vintage from my mom. It's Longchamp. I have this. It's not in my bag because I don't have space. It's a camera? It's an analogic camera, Nikon. Ah, yes. Where did you get it? It was from home, like my dad's old camera. And I use it now. Ah. It's cool. I am traveling just for one day here with my cousin. Oh and my God. I needed something small to carry all day long, but also something that could bring where I could bring everything. And usually what kind of bags do you like? I usually like bags that I can put like where, like this. Like cross-border bags? Yes, but now the one that I use is broken, so I'm using this one. So I have this. Okay. Because there was no space to, okay. Was it juice or was it water before? It's water, but I had to do this to fit to it. Put, yeah, so yeah. That. Then I have this. Because toothbrush. A girl is clean. Toothpaste also? No, she got the toothpaste. Then I have this. Yes, jacket. A small shop in my town, in Barcelona. This, it's like a little bag to put like cream, skincare. If you open it, it's full of skincare.
I don't think it's by Farah Faru. Then I have a little bit of makeup. I have this, Kiko. Milano, color 10, like a dark pink. And then I have this because I have slept like 3 hours today. Flor Mar. But I forgot the brush, so I couldn't use it. It's bronzer. It's the lighter color. It doesn't feel like a bronzer. My... Ah, lips? Headphones, yeah. Yeah? Assisted, thank you very much. And then I have the most important thing today. It's a map that my cousin created for our trip. We are now right there. Ah, okay. Le Marais, how do you pronounce it? Le Marais. Do you do for all your trips? No, because no. You have to, yeah. Okay. It was her birthday, and I gave her this trip for today. So I planned all the day for her. That's a nice for me. Yeah. Then I have this. We're looking for a place to charge. Yeah. Then I have this with some chiclets, so guns. It's mint. Where did you buy it? The box, Andorra. And inside, Mercadona. Then I have this with my cards, essential cards to travel. Longchamp? No, ASOS, but I don't think it's a Longchamp. And then I have this, that is also a present from her, Pluma. Pluma, okay. Because it has this, so it doesn't open. Yeah, okay. And... And that's all. Usually, do you have all this stuff in your bag or was it... No. Well, I have a lot of things in my bag, but I don't usually wear water like this or maps. Or toothbrush. Maybe, I don't know. Maybe, yes, sometimes. And for you, what are your essentials for a bag? My cards, keys, which I don't bring today, but this or goma. ¿Cómo se dice goma? Hairband. And then some chicles, que no me suena el nombre. Ah, chewing gums. Yeah. Gums. Yeah. I always have this kind. I have a lot of boxes like this, but in different colors, and I wear them all around. Moi, c'est Constance, et aujourd'hui, je porte deux sacs que j'ai trouvés à Emmaüs, près de Nantes, vers l'ouest de la France. Du coup, je cherche beaucoup en seconde main, surtout maintenant. Du coup, il y a celui-ci, où j'ai rajouté des petits goodies, parce que je trouve ça hyper sympa de personnaliser un peu son sac. C'est la chaîne de baptême de mon petit frère. Ensuite, j'ai rajouté un pendentif avec une pierre semi-précieuse dessus. J'adore ça. Après, l'autre est beaucoup plus simple, parce que j'adore me trimballer avec deux sacs. C'est vraiment un truc hyper sympa. Comme ça, il y a deux fois plus de choses avec moi. Celui-là, c'est un David Jones. Celui-ci, c'est une marque qui s'appelle 1919. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Et puis surtout, on peut prendre énormément de choses et ça simplifie tellement la vie d'avoir un beau sac un peu en semi-cuir comme ça. Mais dans mes sacs, la plupart du temps, j'ai énormément de pochettes, mais j'en ai vraiment beaucoup. Alors déjà, dans celui-ci, je vais passer le week-end d'ailleurs, mais j'ai toujours cette pochette-là que j'emmène avec moi. Celle-ci, c'est genre avec mes essentiels beauté, genre j'en ai énormément. J'adore ce strain grain. Du coup, la plupart du temps, il y a toujours des pochettes et j'adore trouver là-bas. Ou sinon, j'achète sur Vinted. C'est vraiment dans celui-ci où j'en ai vraiment plein. J'en ai une. Ah, ça vient de là-bas aussi? Ouais. Ok, c'est marrant parce qu'elles sont matelassées comme ça, leurs pochettes. Et il y a celle-ci aussi. Ah oui. Et j'ai celle-ci aussi. Ça devient d'où cette passion pour les pochettes? En fait, j'adore organiser tout le temps. Et en fait, le fait d'avoir des pochettes, je sais exactement tout, où est tout en fait. Dans le verre, en général, je mets mes lunettes. Ça, je sais où elles sont. Elles sont cassées en ce moment, donc il faut que j'aille les faire réparer. Le verre saute. Ensuite, dans celle-ci, ça va être beaucoup plus tout ce qui est baume à lèvres. Parce que pareil, j'ai une énorme passion. Là, j'en ai trois. Et j'ai en plus une crème pour les mains. Ça, c'est l'Occitane. Ça, c'est un cadeau de ma sœur d'il y a hyper longtemps, mais j'adore parce qu'il sent la vanille. Je crois qu'elle l'avait trouvé à Action ou quelque chose comme ça. Et ensuite, ça, pareil, c'est Glossier, du coup. Une de mes meilleures amies qui me l'a offert. Ça, c'est un soin nutritionnel normal pour hydrater mes lèvres tout le temps. Le dernier, c'est genre tout ce qui va être mes porte-monnaies. Et pareil, j'ai encore des petits sacs dans mes porte-monnaies. Ça, c'est mes cartes. Et ça, c'est ma monnaie. C'est pareil, une collection de chez Sostrengren. J'aurais pu faire un partenariat avec eux à Emmaüs il y a un an et demi. C'est Stefano et je le trouvais trop mignon en plus pour ranger les petits trucs et tout. Et puis je trouvais ça un peu chic de mettre ça dans un petit truc en simili-cure comme ça. J'avoue, c'est bien. Au moins chez toi, il n'y a pas quelque chose qui traîne quoi. C'est ça, au moins quand on me demande quelque chose, je sais exactement où est chaque chose quoi. Est-ce que tu fais pareil pour les tickets de caisse? Non, quand même pas. Les tickets de caisse, je les prends pas parce que je sais que de toute façon, ils vont finir à la poubelle. Mais je suis sûre, il y en a qui traînent dans mon sac. Hein. Mais je les prends et je fais hop. Alors ça, c'est toutes les pochettes qu'il y a dans mon sac. Mais je me trimballe toujours avec une pochette au cas où si j'achète
mettre des trucs. Et ça, c'est pour mettre mon ordinateur de base. Ce Sunpan aussi? Ouais, j'ai vraiment tout de chez eux. Mais t'as acheté ça en ligne ou ils vendent ça en boutique vraiment? Ils vendaient ça en boutique. Parce que d'habitude, tu as quelque chose avec toi que tu n'as pas aujourd'hui. Oui. Généralement, j'ai une autre pochette où dedans, je range toujours des bonbons. Non. Mais en fait, j'ai fait une razzia l'autre jour et du coup, j'ai vraiment littéralement 7 paquets de bonbons. Non. Dans mon sac de petits bonbons. Et ils viennent d'où ces bonbons? C'est à l'épicerie asiatique, c'est super bon. C'est au gingembre et au sucre. Et en fait, c'est anti-inflammatoire. C'est un peu comme des caramels, mais du coup, au compte gingembre. Et j'adore le gingembre. C'était pour mon copain, oui, il m'a dit ramène-les. Je me suis dit, bon, bah, je les garde avec moi. Est-ce que actuellement, tu as un sac dans ta wishlist? Oui. J'aime beaucoup celui de chez Paco Rabanne, avec des petites chaînes un peu argentées. Qui est très à la mode en ce moment. J'ai pas de petit sac comme ça. Un petit sac, c'est bien de temps en temps. Souvent, je vais à l'opéra, du coup, j'aime bien être habillée là-bas. Je m'appelle Constance et aujourd'hui, je porte un sac Prada. C'est un sac un peu vintage, 80 il me semble, si je me trompe pas. Je travaille dans une boutique de brocante et déco, donc c'est ma patronne en fait qui me l'a donné en échange. Ok, tu travailles à Paris? Non, du tout, à Poitiers. Et à top des sacs, c'est sympa? Ouais, bah, un peu de tout. J'ai eu un manteau aussi vintage en fourrure, j'ai eu donc ce sac-là. Ça dépend en fait de ce qu'elle récupère parce qu'on a aussi plein de clients qui nous donnent aussi des choses. Bon, en soi, j'aimais bien justement les anneaux ici, c'était sympa. La forme Saxo aussi, elle est super sympa aussi. Le zip qui peut justement en fait faire agrandir le sac, s'il y a plus de profondeur, je peux mettre pas mal de choses dedans. Ça allait bien avec l'ensemble de ma tenue parce que je suis un peu en noir et aussi parce qu'il est pratique pour tous les jours. Les autres jours, c'est soit j'ai pas de sac et je prends juste en fait mes vestes et je mets tout dans mes poches, soit j'ai en fait des petits sacs porte-main. J'ai mon passeport, c'est toujours utile. Mon parfum, un petit Twilly de chez Hermès, c'est le meilleur pour moi. Twilly Ginger de Hermès, c'est le meilleur. Enfin, c'est acidulé mais un peu fruité aussi, c'est bien, enfin c'est assez féminin quand même. J'ai mon téléphone dans la poche, un iPhone 12 Bleu avec une coque noire simple. Classique, ok. Classique. Et est-ce que d'habitude tu prends deux trucs avec toi dans ton sac? Parfois des briquets, un paquet de cigarettes. Faut pas fumer, c'est pas bien. Sinon, après, bah, moi, un portefeuille ou un porte-monnaie si j'en ai besoin. Là, j'ai pas de liquide donc j'ai pas pris de porte-monnaie avec moi. Par ça, carte bancaire dans mes poches ou dans mon sac. Mais le plus pratique, c'est dans les poches, comme ça je peux la sortir directement. Un sac dans ta wishlist? C'est de chez Barbara Bui. Un sac saut pareil, vert olive. Il est super beau et je me souviens plus du tout du nom. En cuir matelassé, un peu comme la ceinture que j'ai ici. Après, au niveau du prix, ça reste quand même abordable parce que c'est quand même un sac de semi-luxe. Mais franchement, pour ceux qui cherchent un sac qui est assez simple mais qui sort aussi quand même du commun, je conseille forcément Barbara Bui. My name is Casey and this is Miu Miu Top Handle. Down the road from the Miu Miu boutique 2 days ago actually. That's really recent. Yeah, I actually had something on the list, like I had Celine, but I decided to go for a Miu Miu. And do you carry every day your bag with you when you go out? Yes, of course. No, some people don't. I mean, like some people just put things in the pocket. Really depends on the day. Like sometimes you want really mini bag that only suits your phone in. But sometimes I like this cute ass bag. I only have rubbish at the moment. But this Longchamp for my friend. It's a mini bag. What pouch? Got this brochure. Been there 2 hours ago. Got a wallet. I think it was from 2 years ago. Boy from London. Card holder. Yeah. Bit, you know, used. Got this weekly pass. Ah, yes. Cigarette. Mm-hmm. Of course, keys. Yes. Phone. It's iPhone 11, if you can see. Ah, yes. Okay. That's pretty much it. Ah, yes. Okay. If I'm going out with my friends, I would prefer smaller ones, but if I go to work, do something with my laptop, I prefer big bags. And do you have a bag that is in your current wish list? This was actually the last one from my wish list. I'm not really planning to get any new one. And usually are your bags like colorful? Mostly brown, black or gray. I don't have colorful bags. And what is the oddest bag that you own? Probably little Celine bag, like triangle shape. I think I bought it like 3 years ago. Je m'appelle Elisa et mon sac c'était LV Louis Vuitton. C'est les nouveautés, c'est la première fois que je vais prêter. En Champs-Élysées, ça coûte 2050. C'est parce que ici très bien pour la taille et le modèle aussi, j'aime bien. C'est le premier sac que tu as de Louis Vuitton? Non, c'est pas le premier sac, c'est déjà 4 ou 5. Ah oui? Et oui, j'aime bien de les petits sacs et les grands sacs, c'est pour faire les monogames. Et j'ai qu'un sac de cuir tout noir, c'était les métis petits. Et oh, je suis désolée. Hey, Yumi,
Non. Oui, il cherchait le chien. Non. Attends, attends. Ok. Il s'appelle comment? Il s'appelle Yumi. Oh, bah, il est petit, il est comme 10 mois, c'est le bébé, c'est pour ça. C'est vrai? Oui. C'est pour ça qu'il est foufou. Et normalement, pour toutes les personnes chinoises, il y a les polichages. Ah oui! Et t'as trouvé ça où? Ça, c'est en Chine. Ok. C'est moins cher, c'est pour ça. Le portefeuille chez Louis Vuitton, c'est mon cadeau. Mon amie, elle lui a donné le cadeau de anniversaire. Ça fait 300-400. Ça aussi. C'est cherché en Chine, parce que 5 euros. Ah ouais, charge un USB classique, quoi. Oui, c'est pratique. Ça. Parce que ça, c'est cassé, c'est pour ça que j'ai avec des. Ah ouais. Je crème la main. Et après, voilà. La bello, c'est transparent? Oui. Ça, c'est ici. Ah oui, blanche. L'océan. Mais ouais. Le parfum, c'est quoi? L'avant? Oui, c'est ça. C'est bien ça? Oui, ça, c'est très bien. Okay. J'ai toujours, c'était le crème la main, c'est avec l'océan.